Vous prenez souvent des gens en autostop? Oui, ça m'arrive, ouais. Et ça vous dérange si je fais des petits snaps que je filme un peu parce que je suis humoriste sur internet, je suis assez connu? Ah, pas du tout. Comme je vous disais, je suis humoriste sur internet, je suis assez connu, j'ai pas mal d'abonnés. Vous avez sûrement entendu parler de moi. D'abord, l'éléphant, non ça... Ah non, Norman, je connais. Ah, Norman, ouais. Ouais, bah c'est un autre mec, on est un peu dans le même milieu, quoi. D'accord. C'est vrai qu'avec Norman, on était un peu sur le même créneau. Bon, lui, la mayonnaise a un peu mieux pris pour lui, mais je perds pas espoir de le rattraper, quoi. Mais vous irez voir mes trucs, je suis vraiment connu, hein, je suis vraiment célèbre. Ouais. Après, moi, j'ai le nom, hein, Norman, c'est tout. Ah oui, bah voilà, ça commence comme ça. Hein. Et vous appelez comment? Vous faites quoi dans la vie? Je m'appelle Teddy Riner, mais je suis sportif de haut niveau. Ah, j'ai jamais entendu parler, vous faites quoi comme sport? Le judoka, c'est un sport japonais. Ah oui, c'est un peu comme la boxe française, non? Ouais, comme la lutte. Ah oui. Et du coup, à part le judo, parce que ça j'imagine c'est votre passion, mais c'est quoi votre vrai métier? Vous vivez de quoi, monsieur Riner? Ah bah des compétitions. Ah bon, mais genre... Ah ça rapporte ça, ça rapporte. Ça rapporte, la publicité, Kinder Bueno, voilà quoi. Ça, ah d'accord, ah bah, j'aurais pas cru, vous voyez. Les gens peuvent me payer aussi dans des bars quoi. D'accord, non, parce que c'est marrant parce que... On pourrait croire, du fait que vous avez une activité un peu folklorique, que ça rapporte pas un copec. Parce que déjà, moi, je suis quand même très connu et j'ai du mal à en vivre. Alors vous, c'est marrant, quoi. À judoka, je sais pas trop quoi ça va nous servir. J'aurais préféré que vous soyez pilote de rallye, parce qu'avec toute cette neige, là, hein, vous avez mis les chaînes? Ouais, j'ai mis les chaînes, ouais. Ah, s'il y a bien un truc que je sais faire, c'est ça. Ah bah oui. Puis j'en déduis à votre couleur de peau, si je puis me permettre, que vous devez pas avoir souvent de la neige, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, c'est bien, vous êtes ouvert, parce que... Il y a plein de blagues qui m'auraient traité de raciste, mais vous, au moins, vous êtes lucide sur vos origines, tout ça. Après, on voit la neige sur les volcans, hein, sur certaines îles. Ouais, des îles. Bah, l'Europe, c'est une grande île, hein, au final. C'est marrant parce que moi, j'ai fait un an de karaté quand j'étais à la fac. Et on nous a toujours dit que le judo, bah, c'était un sport de grosse lopette, quoi. Mais si vous voulez, ce qui pourrait être marrant, ce serait qu'on s'arrête vite fait sur l'autoroute, sur une aire d'autoroute, et puis qu'on fasse un petit combat. Non mais je vais te plier, hein, cherche pas, hein. Je vais te plier. Ou bah me plier, en vrai c'est pas... le judo c'est plus un sport de défense dans ma conception du truc. On va voir. Je pensais pas que vous iriez si fort. Ah, je vous avais dit que je vous allais vous plier. Bah ouais mais me foutre dans la neige là comme ça. Vous avez insisté. On peut reprendre la route là? Karatéka là.